tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathias qui nous présente une Mazda RX-8, mais on est également en présence de Pirun qui avait récemment présenté son Alpha Mito. Alors Mathias, qu'est-ce que c'est? C'est une Mazda RX-8, donc je sais qu'il en existe deux motorisations. Ouais, c'est ça, il y a la 192 et la 231 comme celle-là qui fait 231 chevaux. Bon, tout de suite, quand on voit l'esthétique, on se doute qu'elle est préparée pour quelque chose. C'est pour le drift, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Celle-là, c'est une voiture que je voulais depuis que je suis enfant. Et comme j'aime beaucoup le drift, je me suis dit autant préparer celle-là pour le drift. Quand je l'ai acheté, il y avait les jantes et les combinés fixés. L'aileron arrière? L'aileron arrière, c'est moi qui l'ai rajouté. Alors, qu'est-ce que c'est du coup? C'est en véritable carbone? Non, c'est de la fibre. C'est principalement pour l'esthétique ou il y a une utilité derrière? Après, on sent quand même qu'il est là, quoi. À haute vitesse, on sent quand même que ça appuie sur l'arrière. Au niveau des modifications esthétiques, qu'est-ce qui a été apporté, mis à part cet aileron? Stickers. Ouais, les stickers. Donc j'imagine que chaque marque fait partie prenante. Exactement. De la voiture. Exactement. Les deux morceaux de lame avant. Esthétique? Esthétique aussi. Et les étriers que j'ai pas en jeu. Je vois qu'on a des disques qui sont rainurés, c'est d'origine? Non. Ah bah non, ça a été aussi fait avant que je l'achète. Et sur cette RX-8, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est du monopiston? C'est du monopiston sur les quatre, où après ils font vraiment bien le taf. Il y a plus violent en termes de mordant, mais en endurance, aucun souci. Et on est en 18-19? 18. Les particularités de cette RX-8, donc déjà, c'est une propulsion, forcément, puisque c'est apte à faire du drift, mais c'est un moteur rotatif, c'est ça? Exactement. Alors qu'est-ce que c'est le moteur rotatif? Tu peux peut-être nous le montrer? Ouais. Ah, on n'a pas précisé, c'est un RHD. Ah bah oui. Alors du coup, le moteur rotatif, son vrai nom c'est le moteur à piston rotatif. En gros, ça remplace le moteur traditionnel avec des pistons par deux rotors en forme de triangle qui vont tourner dans deux sortes d'ovales. Et qui sont en fait, les rotors sont l'équivalent des pistons et les chambres de combustion sont l'écart qu'il y a entre le rotor et le housing qui est la chambre. Et il y en a combien du coup? Il y en a deux. Quelle cylindrée ça fait? Alors également parlant, ça fait 1,3 litre pour, ouais, 231 chevaux. Après, il y en a qui disent que ça fait pas vraiment 1,3 litre, que ça fait 2,6 litres. Enfin, il y a toujours débat sur la cylindrée réelle de la voiture. Mais c'est petit. Ouais, c'est petit. Alors, il est où ce petit 1300 cm3? Alors, on peut le voir par ici sur le côté. Il est en bas, il est caché tout en bas. Bon, on verra pas grand chose parce qu'en fait, il est vachement reculé et super bas. Et c'est pour l'équilibrage des masses. En gros, c'est vraiment une 50-50 en termes de répartition des masses. Et des moteurs rotatifs, c'est relativement rare sur les voitures. Il n'y a que Mazda qui en fait, en fait. Et qui a le dernier modèle en date, c'est la RX-8. Il y avait ça aussi sur la RX-7? RX-7. Tout ce qui est RX, c'est pour Rotary Experience, en fait. Et toutes les RX sont un moteur rotatif. On pourrait le comparer à un moteur atmosphérique par rapport au comportement, complètement. Au ressenti? Complètement. C'est même encore plus flagrant que sur un moteur atmosphérique normal parce que d'origine, sans modification. Cette voiture prend 9500 tours et les 231 chevaux sont disponibles qu'à partir de 8000 tours. Ce qui veut dire qu'en fait, en bas régime, tu n'as absolument rien. Exactement. Le couple qui fait 200 et quelques newton-mètres, enfin quasiment 200 piles newton-mètres, d'origine, on le touche qu'à partir de 5000 tours. En dessous, il n'y a vraiment rien. En 6e sur autoroute, avec la boîte 6 qu'on est d'origine, à 130, on appuie, il n'y a rien. Pour faire du drift, qu'est-ce qu'il faut préparer en premier? Bonne question, ça, alors. Bon, j'imagine que forcément, il faut la rabaisser un petit peu. Ouais, alors la rabaisser, la raffermir, ouais, c'est vraiment genre le premier truc à faire, histoire d'avoir une voiture pas trop bateau, parce que sinon, dans les changements d'appui, c'est super traître. Après, déjà, juste un rabaissement, c'est cool. Ça permet de bien débuter. Après, dans les choses qui sont sympas, c'est d'avoir une boîte de vitesse qui tire pas trop long. Surtout quand on n'a pas beaucoup de couple. Comme là-dessus, il n'y a pas beaucoup de couple. Et que, en plus, je suis passé en boîte 5. Parce qu'avant, c'était une boîte 6. Toutes les 231 sont en boîte 6. Je suis passé en boîte 5. Okay. Les boîtes 5 sont les boîtes de 192. Parce que les boîtes 6, j'en ai cassé 2. Plus archaïque de conception, c'est un dérivé des boîtes de RX-7. Du coup, qui sont faites pour encaisser pas mal plus de puissance et tout ça. Donc, aucun souci. J'ai monté un pont court. Que j'ai fait souder aussi, du coup le pont est soudé et court, et le jour et la nuit. Après, sinon, si les gens peuvent, le problème c'est que beaucoup de voitures pour le drift de propulsion sont en pont ouvert. Le pont ouvert c'est bien, sauf qu'en drift c'est un peu traître. Disons qu'on va avoir surtout une roue qui va avoir tendance à patiner,
alors que l'autre ne va pas trop patiner. Alors que dessus, il y a un autobloquant qui est monté, mais il n'est pas super réactif. Il est un peu trop faible pour le drift. Alors forcément, je te pose la question. Tu me dis qu'il y a un autobloquant qui est sur la RX-8. Ouais. C'est pas contraignant quand tu fais du drift? Parce que forcément, l'autobloquant va réguler la motricité. Exactement, afin que les deux roues tournent en même temps. Donc ça, c'est un point positif déjà, l'autobloquant, par rapport à un pont ouvert où, où tu vas avoir juste une roue qui tourne. Je suis en pleine découverte, hein, de toute façon. Je n'ai pas de connaissances en drift. Mais je pensais que justement, ce qui permettait de faciliter la glisse, c'était d'avoir une roue qui, par exemple, tournait plus vite que l'autre et qui pouvait déclencher la glisse. On va peut-être passer sur l'intérieur qui est assez particulier, puisque tout à l'heure, quand je voulais faire des photos, ben, j'ai eu la bonne surprise de m'apercevoir qu'il y avait une, comment on appelle ça, une demi-porte. Une porte antagoniste. Une porte antagoniste qui permet du coup de faciliter la montée des passagers à l'arrière. La configuration, ça a été vraiment un coup de cœur. La peinture comme ça, avec l'intérieur comme ça, l'intérieur cuir beige, et c'est vraiment, bon, il n'est pas trouvable sur les colutes à gauche. Ou alors c'est pas sur les françaises en tout cas, mais il est vraiment super rare le cuir beige comme ça. C'est vrai que c'est joli. J'en voulais pas forcément une en bleu, j'étais comme tout le monde, j'en voulais une rouge. Et puis j'ai vu celle-là, j'ai fait ah ouais, mais celle-là elle est quand même vraiment sympa quand même. La couleur est vraiment belle, l'intérieur rend super bien avec l'extérieur, les jantes rendaient bien. Enfin, vraiment une belle config elle avait d'origine et du coup j'ai fait c'est celle-là. C'est vrai que c'est pas courant. Est-ce que t'es bien maintenu dans ces sièges quand tu fais du drift? T'es un petit peu baladé dans tous les sens, non? Alors ouais, quand même un petit peu. Bon, même s'ils sont semi-baquets et tout ça, bon, le cuir ça glisse quoi. Ouais, aussi. Et du coup ouais, en drift ça glisse un petit peu. Particularité? Le frein à main hydraulique. Forcément ça saute aux yeux. Mais c'est vraiment en fait question d'accessibilité? Bah, disons que c'est surtout en termes de puissance de freinage, parce que le frein à main d'origine ça va tirer sur des câbles, alors que là ça va tirer directement sur du liquide de frein qui passe dans les étriers. Du coup on va avoir une pression de freinage beaucoup plus importante. Ah. Et puis avec le levier qui est plus grand, on va avoir beaucoup plus de puissance sur les étriers. Et ton levier de vitesse qui est original? Bah, il était d'origine, je l'aimais pas plus que ça, je l'aime toujours pas plus que ça, mais bon, j'ai pas envie d'en racheter un plus que ça, donc il reste là. On retrouve du coup un contour qui bloque à combien? 9500, les chiffres montent jusqu'à 10 000. Et le rupteur se trouve à 9500. T'as rajouté également des manos? Exactement, donc j'ai un mano de température d'huile, de pression d'huile et de température d'eau, parce que la température d'eau du compteur n'est pas super vraie. Niveau ligne d'échappement, alors j'ai le collecteur d'origine, j'ai un Decata inox et j'ai y a pas d'intermédiaire d'origine dessus. Pas de silencieux à l'arrière? Si, deux silencieux, un de chaque côté. Bon, on est rentré à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu froid. Bon, après, ouais. Il fait vraiment très froid dehors. Oui, hein. Il fait froid et c'est vrai qu'on voulait quand même entendre le bruit de ce moteur rotatif haut dans les tours. Et pour ça, il a fallu attendre que tout monte à température. Ce type de moteur-là, ça laisse pas place au doute et à l'erreur. Ouais. Il pardonne pas, quoi. Tu fais un truc mal, non. On va voir ce que ça donne de l'arrière. Ça valait le coup d'attendre. C'est bon comme bruit. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ça fait toujours drôle quand même d'être côté conducteur en tant que passager. Et rien de plus qui fait cette réflexion. J'adore. Ouais, bah, ça fait tout le temps drôle. Hein, il y en a que très peu qui me font pas la réflexion du oh, ça fait bizarre de monter en. Ça me fait toujours rire. Et c'est chauffant. Ouais. C'est ici si tu veux l'arrêter. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est agréable. Par contre, Pyroum, désolé. Hein. Donc Mathias, tout à l'heure, tu m'évoquais un sujet qui est un petit peu problématique sur cette RX-8. Comme quoi, il faut toujours se renseigner avant d'acheter une voiture. C'est la consommation d'essence. Bon, là, pour le coup, d'éthanol. Mais tu tournes à plus de 20 litres, c'est ça? Ouais, avec parce que du coup, d'origine... avec quand elle était d'origine, je tournais ouais à 18-19 en moyenne, parce que j'ai les pieds un peu lourds. Enfin, en tapant dedans, ouais, on monte facilement au-dessus des 20 litres 100, bah, c'est gourmand en essence. Et là, avec le concours, ouais, je tourne ouais, à 25 litres en moyenne. C'est énorme, t'es sur une consommation limite de V8 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, y a pas la puissance du V8, y a pas le couple du V8, mais bon. Il y a une sonorité qui est belle là déjà. C'est hein. Ça, c'est un rotatif, c'est à part. Des RX-8, on en voit peu en France quand même. Ouais, c'est assez rare comme voiture. Bah, c'est spécial après, hein. faut aimer la ligne. Bon, même, et je trouve qu'elle a vachement bien vieilli. Après, c'est juste très contraignant à utiliser. Je vois qu'à l'avant, on voit comme si les roues en fait étaient déportées. Ouais, c'est ça, ça fait des vraies ailes bombées. Ouais, des ailes bombées, c'est original. Ouais, c'est ça. Après, moi, ce que je dis, c'est juste dommage qu'il lui ait pas rajouté 100 chevaux de plus à cette voiture, parce qu'elle a la gueule d'une caisse super puissante, d'une vraie super, limite une petite supercar, mais sous moto, enfin,
avec pas assez de puissance. Pour parler la préparation là, pour en arriver là, ouais. Niveau budget, ça coûte cher de préparer une voiture pour le drift? Ouais, quand même. Y a un investissement. Bah, préparer un pont, ça coûte super cher parce que il y a certes le pont qu'on va acheter, mais il faut le régler. Après, moi j'ai fait souder le pont, c'est un choix, mais on peut acheter un autobloquant, un bon autobloquant pour le drift, ça coûte facile 800, 1000 euros. Ajouter à ça bah, le couple court qui coûte cher, le réglage du pont qui est pas donné parce que les roulements ont changé, c'est mieux. Suite à ça, bah, j'ai fait aussi modifier les deux porte-moyeux avant afin d'augmenter un peu le braquage. En gros, j'ai fait déplacer le point de fixation des biellettes de direction, histoire de les rapprocher du centre du pivot, là où la roue tourne, et en gros ça permet du coup d'avoir un braquage beaucoup plus important que d'origine. Okay. Parce que d'origine, on arrive très facilement en butée de volant sur cette voiture. Et comment tu t'es expérimenté en drift? Alors c'est grâce à un ami à moi que j'ai appris, enfin qui m'a montré, et puis après on a appris ensemble les ronds-points, les zones industrielles, et puis un peu de circuit aussi, c'est pas mal le circuit pour apprendre. Utiliser la simulation aussi un petit peu Si, mais vraiment très très tard. Je m'y suis mis que bah, à partir de décembre. Ouais. Alors que ça fait. Depuis que je l'ai drifté en fait. Assez tôt Assez tôt pour drifter, ouais. Donc si tu fais une reprise, pour qu'on voit quand même le bruit et puis la sensation du pont court aussi, tu partiras en deux. De la route. Exactement. C'est passé 8500 tours, il y a un bip qui nous dit qu'on arrive dans la zone rouge. C'est fou comme bruit quand même. Et on entend un bruit de sifflement, qu'est-ce que c'est? C'est le pont qui fait du bruit. C'est pas sensationnel non. En termes d'accélération, non. Mais c'est voilà. Pas là où elle est réputée. Elles sont en accélération pure. Sa réputation la suit, ça a pas beaucoup de couple en termes de sensation, ça peut pas être brutal. C'est dur de drifter, franchement? C'est une question de... Ah, ça va faire mystique de parler comme ça, mais c'est vraiment une question d'harmonie entre toi et ta voiture. Ça peut le faire que si tu ressens ta voiture. Ouais. C'est vraiment une question de feeling, genre c'est tout au feeling. Je réfléchis pas en fait quand je le fais, je le sens. Impressionnant. Ouais. Après là, wow. Les pneus sont pas super super chauds. Ouais, ça partait au coup. Non mais attends, on a rien fait là, mais ça m'a quand même surpris. Ah bah... Mais t'as vu comment ça part d'un coup? Un coup d'embrayage. Waouh. Donc t'as fait quoi? Alors j'ai mis un coup d'embrayage, ouais. Et j'ai relâché l'embrayage alors que j'étais en deux. Du coup ça, les tours sont montés, quand j'ai relâché l'embrayage les roues sont mises à patiner. Et puis après j'ai mis un coup de volant pour ça. Je dirais que la voiture tu lui as dit écoute pars en glisse tu te remets droite. Voilà, il s'est écoulé une seconde et j'ai rien compris, j'ai pas eu le temps limite de profiter que c'était déjà fini. C'est brutal quand même je trouve hein. Ouais, après sur mouillé c'est plus simple. C'est plus simple. Vraiment ouais. Pour apprendre sur mouillé c'est mille fois plus simple. Ouais et puis tu bouffes moins de plaies aussi. Ouais clairement. Honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent. Après le déclenchement de la caisse. On est sur sec. Sur mouillé genre vraiment genre j'accélère à peine, genre on va partir tout doucement, ça va être super fluide. Là sur sec on est obligé de mettre des coups d'embrayage. Enfin sur les voitures ouais. Normales, peu puissantes, on est obligé de mettre des coups d'embrayage pour que ça parte. Ouais. Parce que ça brutalise quand même un peu la voiture, l'embrayage est plus cher. L'embrayage tout. Les cardans, le pont, la boîte, tout. Vraiment le drift, genre c'est bien hein, mais. Pas pour la voiture. Pas pour la voiture. Tu parlais de l'excellent châssis. Je croyais qu'il allait déclencher une drift. Tu nous parlais de l'excellent châssis de la RX-8. Alors c'est pas contraignant le fait qu'elle grippe énormément? Si. En fait, le seul truc qui est... Enfin, c'est pas contraignant dans le sens où... L'avantage du châssis, c'est que tu le mets où tu veux. La voiture, tu le dis, je veux me mettre là, tu la mettras là. C'est vachement linéaire en fait dans le comportement. Tu le sens le moment où ça va être le moment de trop. Le seul truc que tu le sens venir vraiment à 10 km. Avec les rebords sur les côtés. Non mais en plus là on est en deux, on est sur sec, j'ai l'impression que ça accroche quand même pas mal. Parce que là tu pètes ton train arrière direct hein, si ouais. Tu... Ouais mais si tu le tapes un... Avant que j'aille taper là on était loin. Oh, c'est impressionnant. Oh la vache. D'accord. C'est oufissime ce truc. Ça c'était un petit donut. C'est génial. C'est pas du vrai drift, c'est un petit donut. Et on en prend un coup. Ah bah ouais, la tête, c'est à force de waouh.
Eh ben écoute, merci beaucoup Mathias pour cette démonstration. Une grande première pour moi, je connaissais pas cet univers. Eh ben la prochaine fois tu me rappelleras quand ce sera mouillé. Ouais. Parce que là tu seras encore plus choqué. Parce que là genre vraiment j'ai été très gentil. Ouais. Parce que sur sec, je drift beaucoup moins sur sec déjà parce que 231 chevaux et 200 Nm c'est contraignant. Et encore moins avec des passagers parce que du coup comme c'est sur sec, je suis obligé de lancer vraiment fort. Ouais. Et comme je lance vraiment fort, j'ai pas envie que de me dire ah bah les passagers je les mets vraiment en danger. Ouais non mais sur mouillé j'ai aucun souci parce que c'est encore plus maîtrisé et genre là tu t'as pas vraiment genre 150 130 chevaux, même 100 chevaux ça suffit pour drifter sur mouillé. D'accord. Sur sec non, faut vraiment y aller plus fort. Pour donner les plus et les moins de l'RX8, bon bah là on est vraiment dans une configuration qui est loin de l'origine, mais la RX8 est une voiture atypique, donc ça c'est un point très positif, qui a une très très bonne sonorité, mais les contraintes bah c'est j'imagine l'entretien et aussi le fait de toujours devoir tout surveiller au niveau des températures et la consommation qui est tout simplement délirante quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est une bonne caisse qui ça, un achat d'une RX8, je pense que ça se prépare quand même. Ah, ça se prépare. Il y a de la recherche, ça et se puis, prépare. Faut bien tout étudier. C'est pas le type de voiture que t'achètes pour aller au boulot le matin. C'est vraiment une voiture en fait plaisir que tu sors le week-end ou pour des occasions quoi. Mais c'est pas fait pour aller chercher sa baguette de pain en tout cas. Non, c'est sûr, clairement. Ouais. Bon, ouais, merci les gars. Merci encore à toi, Mathias, et puis à Pierroom de nous avoir accompagnés. Bah, aucun souci. Merci à toi. Je vous dis à la prochaine. Avec allez, plaisir. Ciao. C'est génial.